décollé du groupe du soir. Fini, voyez, apprécier. Une voix déjà gravée dans le patrimoine culturel guyanais. Gisèle Gayou Sirot, affectueusement appelée Montserrot, était née à Malmanouri, un hameau de Sinamari, disparu avec l'avènement de la base spatiale. Mère de 5 enfants, depuis son plus jeune âge, elle a toujours baigné dans le folklore. Cette passion lui venait de sa maman, également chanteuse. Chaque week-end, c'était l'occasion de revisiter les différents chants du folklore. Tous les samedis, il y avait le folklore à la maison chez nous. Alors je crois même depuis dans son sein, j'écoutais les chants et les sons de tambour. Vers l'âge de 16 ans, elle quitte sa commune natale pour rejoindre Cayenne. Quelques années plus tard, en 1940, elle crée alors le groupe 800 Ardents avec Fouriette Mettant et en assure la présidence durant de nombreuses décennies. Au rez-de-chaussée de son domicile, elle crée également un espace qui allait devenir la salle convouée. Plusieurs groupes vont y évoluer régulièrement tous les samedis, et ceci gratuitement pour la sauvegarde du folklore, disait-elle. Montserrot a été décorée à maintes reprises. Elle a été élevée notamment au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Elle a reçu aussi la médaille de l'Ordre national du mérite. Montserrot a travaillé durant plusieurs années à l'hôpital Jean-Martial de Cayenne en tant qu'aide-soignante et dans le service des personnes âgées. Pour ses funérailles, elle a toujours souhaité que celle-ci se déroule dans la bonne humeur. Si mes yeux se ferment, s'il vous plaît, je ne veux pas de peur. Je veux entendre des chants, surtout pas les chants « Je suis chrétien, voilà ma gloire » comme pour les premières communions. Non, je voulais des chants de mon pays. Les chants gros bois, jouer domino, jouer cap, rigoler, des rires et tout, et m'accompagner avec mon folklore au cimetière, s'il vous plaît. Tambouk et Kanyen Jigjou l'ouvrit pour Montserrot. C'était son souhait avant de rejoindre sa dernière demeure. Que tout le monde chante. L'ambition.